Priorité directe, bien sûr. On retrouvera les usages Osselin dans l'intégralité un petit peu plus tard. On voit ici trois chevaux se qualifier ou plutôt se requalifier au tronc monté. Il s'agit d'Isle of Quick, de Kalugagram et de Courcelles. Courcelles qui est partie assez vite, hein. Une petite faute, en tout cas qui fait une hésitation pour celle-là. Donc un lot mixte avec Isle of Quick qui tente de se requalifier, Kulega, Clam et Courcelle qui tentent de se qualifier. Martial Viel, Fabien Jans et Alexandre Baudin sont en selle. Alexandre Baudin, qu'on a vu devenir professionnel dimanche en remportant sa 50e victoire. Courcelles a reperdu la cadence, ça ne va pas passer pour Courcelles. Alexandre Baudin, donc 50e victoire vendredi, dimanche pardon, sur les programmes de Rambouillet. Il est devenu professionnel. Mais là, ça ne s'est pas bien passé avec Courcelles. Potive. Il va falloir aller au bout de l'effort maintenant pour Kalugagram et Isle of Quick. Isle of Quick étant en mode requalification. Un parcours un petit peu difficile pour ces deux trotteurs qui tentent de passer leur examen ce matin. 1:25 hein, le chrono pour Kalugagram demandé et Isle of Quick devait se qualifier à son âge, requalifié en 1:17.5. On va voir, c'est un petit peu compliqué la fin de parcours. On va écouter ce que disent les officiels pour le résultat de cette séance de requalification et qualification, le lot numéro 9. Dans ce 9e peloton, aucun concurrent n'est retenu. Pour information, numéro 17, refusé 1:28. 10e peloton, piste. On sentait bien que c'était compliqué, en effet, malheureusement.